goûter, veille à goûter, veille à goûter de mon camoin, veille à goûter. Quelle position famille, m'espérez vous êtes bien, vous êtes correct, vous êtes sérieux. Bienvenue dans notre quatrième épisode de l'émission Anti-Dialogue. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir, l'honneur, pour mettre un petit dialogue avec un grand dimoun, un dimoun qui nous fait nous fier, qui nous fait l'honneur pour nos pays. Et nous avons l'honneur, plaisir pour cause avec M. Joseph Salman King. M. Joseph, bonsoir et merci pour accueillir nous côte ou dans la case pour nous mettre un petit dialogue. Bien, merci beaucoup. Bon, c'est bien honoré qui vous fait bonsoir, mais ça, bon, pas bon, pas type expect, mais de toute façon, c'est un grand plaisir qui est chez moi et au fil de proposer cette émission. Bon, pas quand même dire ou non, parce que ouais, vous êtes bien connu aussi, ou bien fait un bon travail. Voilà. Donc, M. Joseph, moi, besoin de dire où, avant, vous connaissez, nous préparer avant nous venir Cotou, parce qu'il nous connaît pas encore, nous connaît au palmarès, nous besoin de dire, nous faisons nos homework. Mais moi, besoin de dire où, qui, sans l'initiative là, pour Alzwen Normal Living Heroes, c'est une initiative de La Case Mama. Hein. La Case Mama, c'est une compagnie qui a commencé premièrement en Australie. Ouais. C'est une compagnie qui amène mon produit local, ça veut dire mon produit depuis Maurice, amène en Australie pour distribuer avec mon Mauricien qui est là-bas. Mm-hmm. Donc, c'est l'initiative de La Case Mama. Nous avons l'occasion de faire un petit peu plus sur La Case Mama. Et là, je veux dire, la grande famille fait goûter, bienvenue, parce qu'il m'appelle tout Dimoun qui peut être moi, famille. Mais oui, bien sûr. Parce qu'il nous réunit, nous unifie tout, un seul mot, nous disons notre famille. Et merci beaucoup hein, déjà pour contribution pour nos pays. Et je veux dire, où il y a un palmarès extraordinaire. Et que pour ma famille, qui pas trop connaît M. Joseph Salman King, je vais essayer de faire lire brièvement pour capable de nous donner une petite description. C'est qui, ce grand monsieur là? Donc, M. Joseph Salman King, né en 12 mars. 12 mars, c'est vraiment mémorable. Hein? Donc, M. Joseph, il naît le 12 mars 1938. Oui, hein? Exactement. 1938, à Chinatown. Et M. Joseph, ou un poète, ou un scientiste politique, politologue, ou un philosophe, ou un biographe, ou un ex-diplomate, ex-politicien, ex-secrétaire du Parti travailliste et un ex-ministre de l'art et de la culture. Donc, ce qui me comprend bien, ou papa sorti de la Chine, ou maman sorti pamplemousse. Exactement. Oui. Et Ouena, man, bon, c'est qui nous gagnait comme référence. Il a encore 11 enfants. Exact. Hein? Et ou plus grand. Oui, oui, au Côte-Dou. Au Côte-Dou. Ou plus grand. Donc, il y en a plus grand que moi avant, mais il est mort à 3 ans. À 3 ans. Moi, donc, c'est moi qui devine le grand frère. Le grand frère. Après le départ de mon grand frère. Ouais. Uh-huh. Oui, Côte-Dou, ça veut dire qu'on grandit dans la culture sinoise, traditionnelle sinoise. Après, c'est qu'on sort là-dedans, on vient dans la culture mauricienne, comme on nous dit. Allez. Et quand on dit ça, je fais référence à La Case Mama parce que je veux dire que La Case Mama, c'est un slogan. C'est un slogan qui frappe moi à cœur parce que ce slogan, c'est mauricien avant tout. Ça, ah, c'est très bien ça. C'est ouais, mauricien avant tout. Et vous d'accord avec moi que La Case Mama, il faut une partie dans nos dialogues traditionnels, dans nos dialogues locaux, La Case Mama. Oui, oui. Parce que oui, partout oui, que nous allons, nous allons retourner La Case Mama. Et que je veux dire que. Pareil, comment on raconte un petit peu sa histoire, que tu galérais, et que là on comprend. Dans sa culture mauricienne. Oui, oui, oui. Oui. Il paraît pour nos frères Guirich, qui est en Australie, donc c'est lui-même qui a initié La Case Mama en 2012. Ah, oui. En 2012, après son étude, il a allé en Australie en l'année 2000, étudier, travailler. Mais tu arrives à un moment que tu as envie de manger bouillani. Hein, tu as envie de manger. Ah, tu es ensemble avec lui là-bas? Non. Ah, lui là-bas. Ouais, oui, lui là-bas, Guirich, tu là-bas. Guirich, ouais. Donc, tu as envie de manger briani. Ouais. Et que là, de se faire pénance épices briani mauricien. Ouais. Hein. Je fais vini là. Là, que l'idée de dire, bon, laisse-moi mettre mon man produit local depuis mon pays. Ouais. Moi, commence à distribuer ça là-bas. Tipi, tigit, tigit.
Nous commençons avec coup de main, bien sûr, la famille, hein, ce madame, papa Maurice, nous avons l'occasion que vous avez là. Et c'est pour dire que le slogan mauricien, le slogan qui la case maman mettait, c'est mauricien avant tout, faire goûter la grande famille mauricien et la diaspora qui nous suit, nous un petit peu partout. Merci beaucoup. Merci une partage ou la vie, ou maintien anecdote qui, bien sûr, beaucoup parmi nous ne connaissent pas. Et mon pensée, ça m'a dit dans le passé, dans les médias traditionnels. Et mon visage dit de la part de la case maman, de moi-même, au nom personnel, mon visage dit merci beaucoup, M. Joseph, pour tout ce qu'il a fait pour nos pays. Parce qu'il nous connaît comme un homme, dit ou parmi les derniers de Mohicans, qui nous trouve sa railway qui est une fer à l'époque là. Ils ont dit nous peut trouver. Nous, même jeunes, nous sommes capables de maintenir les et pour nous capables, bien sûr, prendre nos pays, amener dans notre direction. Donc, merci pour ça et que ce qui nous souhaitait, nous souhaitons encore beaucoup de l'année de bonheur qui continue à amener un sourire, continue à porter sa knowledge. Parce que je me connais depuis 1959, j'ai disputé à Mine Lourla, depuis 1957, jusqu'à aujourd'hui, ou puis encore écrire. Ou bien oui, maintenant, au moins 8 livres pour publier. Là. 8 livres pour publier. Les chrétiens ne pensaient pas pour qui tout. Espérons. La littérature me sauve. Bien, de mon côté, mon business, au moins 6 mots. Bien, tu sais que vous pensez moi, ou vite côté moi, pour cette interview. Et moi aussi, je suis content parce que, disons, dans ce moment, ces affaires qu'ils m'ont racontées, qu'ils ne racontent personne, et je pensais qu'il y a intéressant du point de vue compréhension. Un dimoun, un être humain, dit pas simplement il y a un fonctionnaire, dit ceci, cela, et là on a une relation humaine. Ah oui, après ça aussi, l'état mon père Kozou, sa voyage en Niamey, son passeport là, ça lui montrait aussi une période, parce qu'à l'époque, aujourd'hui, impossible. Impossible. Pour moi là, avec ce terrorisme. Donc en tout cas, moi, je suis bien reconnaissant, je me remercie pour le temps, et je me remercie aussi pour tout ce moment. C'était un petit token. Merci beaucoup. Okay. Plaisir. Allez, donc, right, merci. Donc à tous nos membres de famille qui peuvent nous, vous êtes merci beaucoup. Sorizo, nous allons un petit peu plus long dans nos émissions Un petit dialogue parce qu'il est important de nous découvrir l'histoire à travers man dimoun de renom, man dimoun qui est dans une encyclopédie d'histoire vivant. Hein. Donc, merci beaucoup, Zotin, suivez-nous. Je vous donne un autre rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, un autre épisode Un petit dialogue. Sur ce, monsieur Zot, bon appétit et à la prochaine. Bye. Merci aussi, merci à tous ces. Tous ces de la grande famille. Alors, moi, je vous dis merci. Qu'est-ce que je veux dire? Vous êtes capable à l'étranger, là-bas, n'importe où, mais n'a pas oublié Maurice. Maurice, c'est. Vous connaissez qu'il est dans ce cliquet, ça. C'est dans ce petit projet. D'ailleurs, je vous dis priez mon Dieu, béni Zot, béni Maurice. Voilà. Fais à goûter, fais à goûter. Fais à goûter de mon camoine, fais à goûter. Bon briani, satini, tidal pourri, domini, mini en min, bouillana pourri, gado zensli. Fais à goûter de mon maman, fais à goûter.